L'alliance est un élément qui nous permet de pouvoir préserver la race, être en sécurité, manger ce que l'on veut, nous multiplier en toute sécurité. Il y a des choses qui ne vont pas là. Tu dois respecter ce que le Seigneur dit. Parce que c'est ce qui a dit la vie. Amen. Ce qui te garde, c'est ce que le Seigneur dit. C'est la parole de Dieu qui te garde. La parole qui est dans la vie. C'est ce qui te maintient en vie. Pas autre chose. Tu ne connais pas ce qui te vient de plein droit. Quelqu'un devra te dire ce qui te devient de plein droit. Et puis bâtir. Donc toi, tu vas accepter à cause de l'ignorance. Amen. Pourquoi Jésus dit, mon peuple est péri avant de connaître. L'alliance va te préserver de certaines situations que tu ne peux pas combattre. Il y a des démons que tu ne peux pas combattre. Amen. Tu as besoin d'être dans une alliance. Tu ne peux pas être à l'église. Tu as le père et tu n'es pas en alliance avec cet homme. Amen. C'est pas possible. Ce que tu fais dans la maison de Dieu, si toi-même tu ne recordes pas, tes enfants vont recorder. Voilà pourquoi il faut toujours faire un prière. Tu as besoin de l'alliance. Tu as besoin de rentrer en alliance avec ton père spirituel. Sérieusement. Let the unseen barriers and the walls that divide us fall in the name of Jesus. Let the walls and the unseen barriers between husband and wives, between siblings, between brethren, among the women of this house, among the men, the business community, the professionals, and the youth, let those unseen barriers fall. Let those walls come down. In the name of Jesus, send storms, send lightnings, send trouble to them and their household, that they might leave me and my house alone. Lord, why must he leave? What is his use and his value to you and to your kingdom and to your agenda on earth? Why must he leave? Lose your power and your hold over me. Malakitinda luka paritaya. I will not miscarry. I will not abort my baby. Itakubali antaya. Let none of our children be marked for an occasion. Ah, they should be Bahayas. Anyone that they have appointed to die prematurely, to be taken before your time. In the name of the Lord Jesus, we cancel that appointment. We overturn that appointment. And we command the deliverance of those appointed to die by the power of Jesus' name. Any attempt and any conspiracy of any group of people who will come together to devise your head, let it boomerang. Let it boomerang. 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 Let them scatter that gather against you. And let the awares fall to the ground. As for you, the Lord show you a token for good, that those who hate you may see it and be ashamed. The Lord favor you. The Lord fight your battles. The Lord go before you. The Lord avenge you. The Lord be an enemy to your enemy, an adversary to your adversary. Bless them that blesses you. Curse them that curses you. And may anyone that misunderstand you by any means, true or false, be disfavored. Let them that devise your head be discredited. Let those who use their access to hurt you be denied access. Let those who use their honor to hurt you be dishonored. Let those who use their favor against you, let their favor turn into disfavor. And let the Lord always raise up intercessors for you that will fight your cause and fulfill all his good pleasure about you.
Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur. Que la grâce du Seigneur soit notre partage encore en ce jour particulier et glorieux que le Seigneur nous a confié, que le Seigneur nous a accordé. Nous rendons grâce à Dieu qui est fidèle, qui est souverain. Moi, je vous salue dans son précieux et puissant nom ce matin. Et je crois pour ma part que le Dieu de grâce, le Dieu qui a mis ce mois sous le sceau de la grâce, nous fera encore grâce en ce jour. Nous sommes au deuxième dimanche du cinquième mois de l'année 2022. Alléluia. Ce matin, nous voulons tout simplement avoir une très bonne compréhension et aussi un bon point de prière sur la multiplication de la grâce. Pourquoi il faudrait que la grâce soit multipliée? La multiplication de la grâce. Alléluia. Alors, lorsque le plus souvent on définit la grâce, certaines personnes diront que la grâce est une faveur déméritée. La grâce est une action de Dieu déméritée. Ce n'est pas faux, c'est vrai. Alléluia. La grâce, c'est Dieu qui se manifeste dans la vie d'une personne. Sans pourtant tenir compte des conditions ou bien de la qualification ou des qualifications de la personne. La grâce, c'est Dieu qui accorde à une personne une capacité surnaturelle, une capacité au-delà de ses compétences. Et ça permet à la personne de pouvoir faire, de pouvoir être à la hauteur des exigences, au-delà du fait que la personne n'ait pas d'abord été au préalable formée là-dessus. La grâce, c'est encore Dieu qui prend quelqu'un du milieu de rien pour lui faire asseoir parmi les hommes de dignité et parmi les grands. Donc, il te prend du milieu de rien. C'est-à-dire que toi, ton origine est non seulement était incertaine parce que tu es né dans un milieu assez précaire ou encore chroniquement précaire. Et Dieu, dans sa grande miséricorde, te fait grâce et il te sort du milieu de la précarité aiguë pour t'amener dans la surabondance multipliée. La grâce de Dieu encore, c'est une personne qui sort d'un milieu aussi désespéré et se met à régner sur des hommes de destinée ou encore des hommes d'autorité et même de gouvernants. La grâce de Dieu, c'est aussi une personne qui ne pouvait pas un jour penser qu'il pouvait se marier, elle va trouver une femme ou bien elle va trouver un homme qui va l'aimer et qui va l'aimer comme elle est sans pourtant en exiger des choses. La grâce de Dieu, c'est quelqu'un qui a été diagnostiqué et qui a été diagnostiqué malade et avec une maladie incurable. Et cette personne se retrouve, après la manifestation de la grâce de Dieu, libérée et guérie de cette maladie. La grâce de Dieu, c'est aussi la délivrance que le Seigneur t'accorde au milieu de l'adversité, au milieu des attaques. La grâce de Dieu, la grâce de Dieu, la grâce de Dieu, on peut en parler et on peut dire beaucoup de choses là-dessus. Alléluia. Donc ici, ce que je vais faire ressortir ici, c'est l'aspect de la grâce que nous devons considérer. Parce que quelquefois, nous pensons que c'est à cause de nos œuvres, à cause de notre intelligence ou encore à cause du fait que nous avons fait de longues études qui elles-mêmes aussi sont en réalité la manifestation de la grâce. On peut aussi penser que c'est parce que nous sommes peut-être issus d'une très bonne famille ou bien c'est parce que nous avons des valeurs et beaucoup de choses que l'on peut dire. Mais en réalité, on se rend compte que on n'est en réalité rien parce que à tout moment, même en mangeant,
tu peux mourir. Souvenez-vous de cette histoire qui nous est racontée dans les Saintes Écritures, dans le livre de Luc, là où la parole de Dieu nous dit qu'il y avait un homme qui avait amassé des grands biens. Et cet homme-là va dire à son âme que mon âme, nous avons amassé des grands trésors. Maintenant, nous allons nous reposer et nous allons manger et boire. Alors, nous allons jouir de tout ce que nous avons, en fait, du fruit de notre travail. Et la parole de Dieu nous dit que la nuit même, son âme lui a été réclamée. Alors, c'est la raison pour laquelle on comprend alors que notre argent, nos biens et tout ce que nous pouvons posséder ne peuvent pas en réalité nous sauver ou encore nous soutenir, nous aider. C'est vrai que ça a une place parce que un homme, par exemple, qui a une bonne situation financière, relationnelle, matérielle, peut facilement en cas de problème, peut au moins commencer à pouvoir, peut être bien positionné que celui qui n'a rien. Mais lorsque la grâce de Dieu doit maintenant agir, lorsque la grâce de Dieu doit pouvoir se mettre en activité, c'est celui à qui Dieu fera grâce qui s'en sortira. Donc, en réalité, on se rend compte ici que c'est mieux de chercher la grâce de Dieu que de chercher les richesses. Si la grâce de Dieu te conduit vers les richesses, c'est gloire à Dieu parce que c'est le choix qu'il aura fait. Maintenant, si la grâce de Dieu doit te conduire hors des richesses, il faudrait accepter aussi parce que c'est hors des richesses humaines, bien sûr, parce que les richesses divines ne sont pas forcément les richesses humaines. Donc, si la grâce de Dieu te conduit hors des richesses matérielles, des richesses humaines, il faut aussi rendre grâce à Dieu parce qu'il sait pourquoi, effectivement, il t'a fait grâce pour sortir de là. Alors, qu'est-ce que la grâce multipliée? Dans le livre de Jude, au chapitre 1, bon, il a un seul chapitre, il a un chapitre seulement. Lui, Jude, chapitre 1, le verset 2. Je vais lire à partir du verset 1, la parole de Dieu dit ceci. Jude, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques, à ceux qui ont été appelés, qui sont aimés en Dieu, le Père, et gardés pour Jésus-Christ, que la miséricorde. Vous allez noter, Jude va parler de trois choses. Que la miséricorde, la paix et la charité vous soient multipliées. La miséricorde, la paix et la charité vous soient multipliées. Alors, j'étais en train de méditer et puis de réfléchir sur ça et de poser des questions au Seigneur par rapport à ces choses. Il dit que la miséricorde, la paix et la charité vous soient multipliées. Et j'ai posé la question à Dieu, c'est quoi? Et le Saint-Esprit m'a dit, c'est ça en fait, ce sont des éléments qui sont inclus dans la grâce. Et il a commencé à m'expliquer que c'est quoi la miséricorde. La miséricorde, c'est Dieu qui a tout simplement pitié de quelqu'un. Donc, en d'autres termes, c'est une manière à Dieu de faire grâce à quelqu'un. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a été condamné, c'est quelqu'un qui a été déjà, la sentence a déjà été donnée. Maintenant, Dieu dit, bon, ça va, je change d'avis, laissez la personne. Donc, Dieu fait miséricorde à cette personne qui n'est pas qualifiée. La paix aussi, quand on parle de paix, cela veut dire que l'opposé de la paix, c'est la guerre. Donc, en réalité, on se rend compte que si quelqu'un est en paix, ce n'est pas parce qu'il est fort, ce n'est pas parce qu'il a des armes puissantes, ce n'est pas parce qu'il a de l'argent, ce n'est pas parce qu'il a une bonne éducation, ce n'est pas parce qu'il a des grandes relations, non. Si quelqu'un est en paix, c'est parce que Dieu lui a donné la paix. Vous voyez, dans le livre des rois, Dieu va dire à David que ce n'est pas toi qui vas bâtir mon temple, mais ce sera ton fils. Et la Bible dit que au temps de Samuel, il y avait la paix. C'est-à-dire que Dieu a donné la paix à Salomon, pas papa Samuel. Dieu a donné la paix à Salomon et c'est dans la paix que Salomon a pu bâtir le temple. Parce que le père David était tout le temps en guerre. Parce qu'il fallait protéger le territoire, parce qu'il fallait conquérir des terres. Donc, il ne pouvait pas être en guerre et puis bâtir. Donc, on voit ici alors que lorsque quelqu'un bâtit, ou encore lorsque quelqu'un fait des réalisations,
c'est parce que quelque part, Dieu lui a accordé la paix. Et on se rend encore compte que la paix est un élément qui fait partie de la grâce de Dieu. Donc, on a vu la miséricorde qui est un élément qui fait partie de la grâce, la paix qui est un élément qui fait partie de la grâce, et ici, il va parler encore de la charité. Alléluia. Cela veut dire que, en fait, si quelqu'un est charitable, ou encore, si quelqu'un est libéral, écoute, bien aimé dans le Seigneur, le fait, par exemple, que tu aies un esprit de libéralité, que tu donnes aux gens, que tu soutiennes les gens, ce n'est pas quelque chose de naturel, c'est quelque chose de surnaturel. Et c'est l'une des choses qui fait aussi partie de quoi? De la grâce de Dieu. En fait, la grâce de Dieu donne aussi à quelqu'un la capacité de donner. Donc, parce que c'est par la grâce que tu reçois. Tu as tout ce que tu as par la grâce de Dieu. Paul a dit la dernière fois, je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Donc, en d'autres termes, je suis directeur d'entreprise, je suis directeur là-bas, je suis ingénieur, je suis médecin, je suis homme d'affaires, je suis femme d'affaires, je suis ministre, je suis, directeur de cabinet, whatever. Je suis ce que je suis, il dit, je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Donc, en fait, je peux donner parce que je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Alléluia. Donc, tu te rends encore compte ici que la charité que quelqu'un peut manifester est encore quoi? Est une autre manifestation de la grâce de Dieu dans la vie de la personne. Et là, le Saint-Esprit va me dire, voilà pourquoi tu vois que Jude va dire que cela vous soit multiplié. Il va dire la miséricorde, la paix et la charité. Il dit que cela vous soit multiplié. Et alors, on conclut en disant que non. En fait, la grâce de Dieu est la multiplication de plusieurs manifestations dans lesquelles je ne suis pas qualifié, mais que Dieu m'accorde l'opportunité de pouvoir exécuter. La grâce de Dieu est la manifestation de plusieurs actions dont je ne suis pas qualifié, dans lesquelles le Seigneur m'accorde l'opportunité de pouvoir réaliser. Et alors, tu te rends compte que, en fait, pour demeurer dans cette dimension, il faut demeurer dans sa présence. Il faut demeurer là où il est. Et alors, je comprends encore. Et là, j'ai compris que la grâce de Dieu est multipliée dans la vie des gens qui sont dans sa présence. Alléluia. 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 Gloire à Dieu. 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 La grâce de Dieu. Que la grâce de Dieu soit multipliée. La multiplication de la grâce. Donc, ce matin, notre point de prière va consister à prier, à demander à Dieu la multiplication de la grâce, que le Seigneur multiplie sa grâce sur nos vies, que le Seigneur multiplie sa grâce dans ta vie, que le Seigneur multiplie sa grâce dans la vie de tes enfants. Alléluia. Que tes enfants ne soient pas seulement des enfants charitables, mais qu'ils soient aussi des enfants en paix. Que la paix de Dieu soit leur partage. Dans la grâce de Dieu, dans la paix, il y a la santé. Dans la paix, il y a la guérison. Dans la paix, il y a beaucoup de choses. Il dit que la paix, alléluia. Dans la paix, il y a la prospérité. Alléluia. Quelqu'un qui est en paix, c'est quelqu'un qui est prospère. Alléluia. Parce que la prospérité, dans la paix, il y a la prospérité à l'intérieur. Gloire à Dieu. Donc, ce matin, nous allons prier. Tu vas prendre ce point de prière. Nous avons un seul point de prière ce matin. C'est la multiplication de la grâce. Nous voulons prier le Seigneur en disant, Seigneur, ce matin, Seigneur, viens et multiplie la grâce dans nos vies. Que la grâce nous soit multipliée. Que la grâce nous soit multipliée. Que la grâce nous soit multipliée. Alléluia. Alléluia. Oh, béni sois-tu parce que tu es fidèle. Béni sois-tu parce que tu ne mens pas. Béni sois-tu parce que tu es l'alpha et l'oméga. Béni sois-tu. Seigneur, ce matin, nous te rendons grâce. Nous te bénissons, notre Dieu, notre roi. Alléluia, alléluia, alléluia. Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix ce matin pour la multiplication de la grâce, le Dieu de grâce, le Dieu de grâce, le Dieu de grâce, le Dieu de grâce. Alléluia, alléluia. Lebros kitara shanda losi pratalosi brandelebe. Oh, sakanto se preketarusta brandelebe. Ce matin, Papa, toi qui es le Dieu de la grâce, toi qui es le multiplicateur de la grâce, Seigneur, viens multiplier la grâce dans nos vies. Mais ce que rebe chantari brostarabando lobositarabaka breshidaiba. Oh,
zikarama santa ribrendo lo bosse che prende le be ma doro sti prende le be caprendo lo bossande le be caita la ba shadariando santa ribre che brando sotto robo alleluia alleluia ma cada santa la ma su terebe catoro bo shanderebe le blo si brando si prende le be le blo si brando si prende le be le Dieu de la grâce, le multiplicateur des grâces, Shabarababarabo sitarabazundelebe, Eyakasata, mazuandelebe, Eyandala sutelebe, kabalazindolebe, Mayato se kalando soblandeli brando sika, zindolobo satarabo shandelebe, Alléluia, Rabababababo santerebe katorobo shantereberebe ikataria mazanda. Élève ta voix ce matin et prie pour la multiplication de la grâce. Le Dieu qui multiplie les grâces, le Dieu des grâces, celui qui a dit je ferai grâce à qui je veux, celui qui a multiplié sa grâce dans la vie de Paul, celui qui a multiplié sa grâce dans la vie de Pierre, celui qui a multiplié sa grâce dans la vie de Jacques, celui qui a multiplié sa grâce dans la vie de Jude. Seigneur, ce matin, nous prions au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, c'est lui qui fait grâce. Ce n'est pas par la force d'un homme. Je peux vous dire, même si tu as étudié comme quoi, même si tu as des connaissances dans n'importe quel domaine de ta vie, si Dieu ne te fait pas grâce, si Dieu ne t'accorde pas la grâce, bien-aimé, là, le Seigneur, ce ne sera pas facile. Ce ne sera pas possible. Les sunterebe kabarabo shunderebe kantorobo zunderebe kantaraba zenderebe. Rab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 o sanda. Ekadozi brando sanderi brekantarabo shanderebe kanturi berege. Oh, sakarabo, shatarabo, shatarabo, shatarabo. Rasata katabro zinderebe kandarab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 a. Ta grâce, Seigneur, ce matin, l'endosi prende le becantorobo si carabazunderebe. Multiplie ta grâce, Seigneur, dans ma vie. La multiplication de ta grâce, la multiplication de ta grâce. Ce matin, c'est ma prière. Oh, lo satarabo, shadarabo, shanderebe, kaberebe, zunderebe. Ma yantaraba zwanderebe, ma zandorobo zwanderebe, le bandaraba zwanderebe. Ikarabazando robo zwanderebe lebro soto shakara baba 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 eyandarabasunderebe kandarabasunderebe. La multiplication de la grâce ce matin, la multiplication de la grâce ce matin. Shabara baba lebro saya lebro zindarabo satarabo shanda okozi branderebe shantarabo zanda lebro sikarabasanto robo jandelebe. Le mondari abrazando lo bossata rabu shanderebe rabababababababo satakaya le kezakata brushinderebe ikalaba santa rabu shinderebe. Que ta grâce soit multipliée et yamalato sakaya zwanderebe katorobo shanderebe kabaria basanderebe o zikata rababo santerebe rabababababo shekerebregede rabababababo shekerebregede. Que ta grâce soit multipliée ce matin. Ma santo lobo sikalabazende. Et le bandarabo sante lebe sikalabazende. Alléluia. Ta grâce dans la vie des mamans. Que ta grâce soit multipliée dans la vie des mamans. Oh Seigneur. Soto lobo shabalabababa. Le blande lebe suande lebe lebe. Le blo sikalabashande lebe lebe. Raba santo lobo sakarabo shinde lebe lebe. Que ta grâce soit multipliée, Seigneur, ce matin, ô Dieu de gloire, les sikalabusanta rabashanda rabababa, dans la vie de toutes les mamans, en ce dimanche particulier, éternel, mon santo robo shakarabasunde rebe kazibrando robo, le bele que santa rabushande rebe kazabriande rebe, ikarabasata rabushanda rababa, ta grâce soit multipliée ce matin, éternel. Au nom puissant de Jésus, au nom glorieux de Jésus, Marabo Satarabo Chandelebe, Ekatali Branda Sandalababa, Mazi Brandelebe Sandalababa, Lobro Sakatarabo Chandelebe, Kabaria Bazandelebe, au nom de Jésus Christ, Rata Satakaya Bazandolobo Sataya,
Oh, Shabalabalebe, Leblozinda la Balebe, Leblozinda la Balebe, Kablazinda la Balebe, la grâce, la multiplication de ta grâce, et Katarabu Chandelebe Sandarabu Sakaya, Zebrandelebe Sandarabu Sakaya, au nom puissant de Jésus, au nom glorieux de Jésus. Le bolosin de le bele bele be kabele bele be kabele bele be le bolosin de le be kabele bele be kabele bele be kabele bele be rababa zuande le be kabele bele be kabele bele be au nom de Jésus Christ, au nom de Jésus Christ, rababa baba 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 le bosun de le be kabala bosun de le be kabala bosun de le bele be le bosun de le be kabala bosun de le be kabala bosun de le be Landa la bazun de lebelebe, landa la bazun de lebelebe, landa la bazun de lebelebelebe, o santa raba, zibanda raba, zotorobo chandaraba, leblozin de lebe, au nom de Jésus, o korababa, shabarebelebe, kabarebelebe, leproskita raba chandelebelebe, reproskita raba chandelebelebe, ikalaba santorobo chandelebelebe, au nom puissant de Jésus. Mandelebe kabelebelebelebelebe, lebozandelebelebelebe, ikalabazandolobo sibrandelebe, alléluia. Oh Shatakaya, oh Santaraba, Seigneur multiplie ta grâce, Seigneur multiplie ta grâce, Seigneur multiplie ta grâce, au nom puissant de Jésus-Christ, que ta grâce soit multipliée dans ma vie, que ta grâce soit multipliée dans ma vie, au nom de Jésus. Mon sekerebe chatarabo sinterebe, rababa sotoko chanterebe, kobre andelebe santaraba chanterebe, ikalaba sunterebe katarabo chanterebe, rapasente kebrandelebe. Au nom puissant de Jésus Christ, kabala zoto chanda, zeblanda souple kataraba, accorde la multiplication de la grâce. Oui, Seigneur, ma santa kibrondelebe. Libro zandolo si prandelebe, ozabaranda sakorobo shindelebe, leblezandara sukerebe chandelebe, accorde la multiplication de la grâce, Saint-Esprit, la multiplication de la grâce, en miséricorde, la multiplication de la grâce, en paix, la multiplication de la grâce, Seigneur, en charité, la multiplication de la grâce, ô Dieu de grâce, ô Satarabo Shanda, Mazibrando soto kozibrandelebe. Accorde la multiplication de la grâce. Seigneur, j'ai besoin de ta grâce de manière multipliée en ce mois éternel, Père. Oh, Zekalabababo chanderebe. Ibandarabo satarabo chanderebe. Bien-aimé, parle à Dieu ce matin. Marababo satariandelebe katavazandelebe. La multiplication de la grâce. Lorsque la grâce de Dieu te localise et qu'elle est multipliée, bien-aimée dans le Seigneur. Oh, c'est comme j'expliquais ce matin, la miséricorde va t'accompagner. La miséricorde, cela veut dire que tu ne pouvais pas être qualifié. Cela veut dire que tu ne répondais pas aux critères. Cela veut dire que tu étais déjà sûr et certain que rien ne pouvait marcher. Parce que tu n'étais pas au niveau. Mais Dieu t'a fait miséricorde. Dieu t'a accordé ça. Il t'a fait grâce. Et dans cette grâce, la miséricorde qui a été à l'intérieur a agi en ta faveur. Dieu t'a sélectionné parmi tant d'autres. Dieu t'a donné la place même de ceux-là que toi, de ceux-là qui étaient meilleurs que toi. Oh, bien-aimé, je vais te dire qu'il y a une femme dans la Bible qui a expérimenté la grâce de Dieu. Dieu lui a fait miséricorde au milieu de plusieurs femmes comme elle. La Bible dit que Esther était une jeune femme d'une famille démunie. Et la parole de Dieu dit que la femme du roi, lorsque le temps était arrivé
pour que la manifestation de la grâce de Dieu se fasse dans la vie d'Esther. La parole de Dieu dit que la femme du roi s'était opposée à un ordre du roi et le roi avait décidé de changer de femme. Bien-aimé dans le Seigneur, voici une personne qui n'était pas qualifiée parce qu'elle n'avait pas les moyens qu'il fallait même pour prendre soin d'elle. Mais à cause de la grâce de Dieu, elle s'est retrouvée au bon endroit, au bon moment, faisant la bonne chose. Bien-aimé, lorsque la grâce de Dieu se manifeste et qu'elle est multipliée, il y a plusieurs situations qui vont arriver dans ta vie et qui vont concourir pour ton élévation et pour ton positionnement favorable. La grâce de Dieu, la multiplication de la grâce, même devant l'opposition, tu passeras. Même devant les barrières, tu passeras. Seigneur, accorde-nous ta grâce de manière multipliée dans chaque domaine de nos vies, dans nos familles, dans nos couples. Accorde-nous la grâce multipliée dans la vie de nos enfants. Accorde la grâce multipliée, Seigneur, dans la vie de nos fils spirituels, dans la vie de nos filles spirituelles. Accorde la grâce multipliée, éternel notre roi. Oui, parce que tu es le Dieu souverain et tu es le Dieu qui fait grâce à qui tu veux. Accorde la grâce éternelle multipliée dans les finances. Oh, Saint-Esprit, la Bible parle de cet homme qu'on appelait Ichabod et qui était dont le nom signifiait même pauvreté. La Bible parle de Ichabod comme étant l'incarnation de la souffrance. Mais lorsque Ichabod avait prié, tu lui as fait grâce et il est parti de la pauvreté, du manque chronique à la surabondance parce que tu es le Dieu qui fait grâce. Mosi Karabu Shandaraba, ce matin, élève la voix et parle à Dieu que le Seigneur te fasse grâce. Oui, peut-être que toi, tu n'as pas besoin de sa grâce dans le domaine matrimonial, mais tu peux avoir besoin de sa grâce pour la paix. La parole de Dieu dit que la paix aussi, que la paix vous soit multipliée. Une autre manifestation de la grâce de Dieu, c'est la paix. Lorsque tu es en paix dans ton cœur, tu es en paix avec toi-même, tu es en paix avec l'environnement, tu es en paix avec tout, bien-aimé dans le Seigneur, tu vas vivre longtemps parce que tu n'auras pas le stress pour tomber malade. Oh oui, bien-aimé, lorsque nous sommes stressés, il y a des organes dans notre corps qui sont affectés, comme plusieurs personnes ont des douleurs au niveau de l'estomac. Les gens qui souffrent de l'estomac sont des gens qui sont constamment sous stress. Le stress les terrorise tellement qu'ils sont obligés de développer des crises d'estomac. Mais ce matin, alors que nous prions, à cause de la grâce, la peur va te quitter, le stress va partir. À cause de la grâce, la maladie sera obligée de plier bagage. La grâce de Dieu est une force. La grâce de Dieu est une force. Au satarabo shandalaba sekatabarazitolobo. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Maya santorobo shekerebe. Rabababa. Leblo sintalaba. O si blando si karababa. Le copriande le besoinde rebe. Ilo tasata la bashanda la balito lobo. Zonderi amanta la bosanta ki brande rebe. Represketando. O zende rebe katara bashande rebe kabarianda la baba. O zana masata la bushande rebe. O zibanda la busata la bushande rebe. Ta grâce seule. Ta grâce seule, Seigneur. Ta grâce seule. Ratakasa katabusanda la baba. Oh, le preskito robo shandara baba. Le mando robo santa robo shandara baba. Hallelujah. Made breskindo robo santerebe shanderebe shanderebe. Le dozi pranda santa la base kelebe. Gorata santo robo shinterebe. Yandara basata robo sekerebe. Yandara basata robo sekerebe. Ta grâce seule nous appelle, ta grâce seule, Seigneur, la grâce, la grâce, la grâce, la grâce. Oh, samalata si brando lobo senterebe, le blozinda lama santo lebe senterebe, e calabazuanderebe cantarabo senterebe, beriando santarabo senterebe, e calabanderebe santarabo senterebe. Au nom de Jésus-Christ, represetara babababo shanda, e calababa baba babo shanda, iblende rebe santa rabo shanda, e belinda rabo santa rabo shanda,
Ekeble andolo bosata la boshanda. Mezu andere bekata la boshanda. Ikala baba baba suntere berebe. Ole bre santa la boshendere be. Ole bre santa la boshendere be. Hallelujah. Kozi karaba santo robosaya. Zibrando lobo santo robosaya. Leblo zinderebe santo robosaya. Leko zinderebe santo robosaya. Barabo zinderebe katarabo shanderebe. Hallelujah. Hallelujah. Kabara zunda labaya dandorobo. Hallelujah. 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 Seigneur, ta grâce ce matin. Seigneur, ta grâce infinie. Seigneur, ta grâce infinie. Oh, Sante Rebe Karasuza. Rabababo Satarabu Shanderebe. Hallelujah. 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 La grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Lorsque tu vas parler à Dieu, parle à Dieu par rapport à sa grâce dans un domaine particulier. Là où il y a la souffrance, il y a aussi le bonheur. Là où il y a la guerre, il y a aussi la paix. Alléluia. Là où il y a le malheur, il y a aussi le bonheur. Alléluia. Ça marche de manière parallèle et opposée. Incline-toi là où il y a la grâce. Tu vas faire ce deuxième point de prière avec moi. Après, nous allons nous arrêter. Tu vas prier ce matin encore. Tu vas dire, Seigneur, incline mon cœur là où se trouve ta grâce. Incline mon cœur. Incline les désirs de mon cœur, là où se trouve ta grâce, là où tu as fait grâce, de quel côté tu as fait grâce. Alléluia. Tu vas prier de cette manière que le Seigneur incline, il incline ton cœur, il incline tes pensées, il incline ton être dans du côté où se trouve sa grâce. L'apôtre Jude dit que la grâce du Seigneur, que la miséricorde, il dit que la miséricorde, la paix et la charité du Seigneur vous soient multipliées. Donc, ça veut dire qu'il y a une possibilité de la multiplication de cela. Au nom de Jésus-Christ, tu vas prier maintenant. Que le Saint-Esprit incline ton cœur, incline tes pensées, incline tes désirs dans du côté où la grâce se trouve. Qu'il incline ton cœur, qu'il incline tes désirs, qu'il incline ta vie, qu'il incline tes finances, là où se trouve la grâce. Alléluia. Élève ta voix ce matin au nom puissant de Jésus. L'osatarabu shandala baba. Oh, zibrandele besantorobu shandala baba. Ce matin, Seigneur, je prie au nom de Jésus-Christ. Rekosikerabazundele bekandere besotorobu shanda. Oh, zibrandele besantarabu sokorobu shanda. Leblo zinderebe kantarabo zunderebe kantorobo shande. Leblo zunderebe kaberebe kabalaba zunderebe kaberebe. Mazwanda sanda arabo zunderebe kaberebe kaberebe. Shabalaba laba zwanderebe kantalaba. O zekerebe shandolo sikerebe zunderebe kaberebe. Rab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 a. Au nom de Jésus. Lebrosinde quebrando suplende lebre candiriba. Leblosinde rebe cantaraba zuande rebe cantarababa. Leblosinde rebe cantaraba zuande rebe cantarababa. Eternel. Rabasuta kaze brandala sukariba. Oste rebre candirebe cabaraba zuande rebe cabere. Mayo sataraba zuande rebe rebe cabere. Lobosunde rebe cabaraba sando rebe. Au nom puissant de Jésus-Christ, 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 lebro satakarababa, lebro sindelebe katorobo shindelebe, leblanda suprandelebe kabariaba, au nom de Jésus, Saint-Esprit, incline mon cœur, incline mes désirs, incline ma vie.
Oranda la basande le becata la basunde le beke bele beke bele bele beke bele 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 rabababo sakara basunde le bele 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 rebozande le bekabara bazuande le bele bele beke bele 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 rabakabara bazuande le bekande le bekabara bezunde le bekabara bara bazuande le bele le bazuande le bekabara bazunde le bekabara bazuande le bekabara bele 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 rabababababababo saka incline l'éternel au sekarabazun de rebekando robo satarabashan de rebekabara baba 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 mande rebekabara bazuan de rebekabara barabo libande rebesando au nom de Jésus, au nom de Jésus, au saint, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, rabasun de rebekabara 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 baba 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 sakara baba e che le bele becche bele 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 becche bele 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 e ande le bele becca bala bazuan de le becca bele bele becca bele 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 o che brianda la bassaia o su briande le becca bele 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 o store becca tara bashan de le bele bele o nom puissant de Jésus Christ kadiri masanda la su te le becca bariando sanda ze karababa bo shandara baba 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 béni sois-tu toi qui es le Dieu qui fait grâce. Béni sois-tu toi qui es le Dieu qui accorde la multiplication de la grâce. Seigneur, ce matin, multiplie ta grâce. Oh, mon sita la bababo, chaka la balebre kadelebre. Lebla suantiria mandorobo sapriandorobe. Au nom puissant de Jésus-Christ. Rabababababababo sate kebreande le bresi pro satara baka priande le bebe ikolobo santere beka priande le bebe shabala 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 le bele beka bala basuantari manturi bea au nom puissant de Jésus Christ rabreste ke prada stupre ke pradele ke zibrodosi kande nienta la dosanda la suza ai brande le besanta la basuza o copraca de zakadi amazanto si prende le be au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus éternel, o sento cosende que sento cosende la ba 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 le brosinde le becche bere besunde le becche bere bere be re brosunde le becche bere 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 be cavala bala bacca zuande le besanto lo bozuande le bere be éternel notre père, éternel notre Dieu, le Dieu qui fait grâce, toi qui donnes la grâce, toi qui fais grâce pour prospérer, toi qui fais grâce, Saint-Esprit, ce matin, papa. Ma santo lo boshandele be suka la bazindo lo sapriando zia. Ziandele be santo lo bozindo lo bo sapriando zia. Zato lo bo shebrendele be kapari abarandele be. Accorde la grâce dans nos vies. Accorde la grâce dans nos familles. Accorde la grâce dans la vie de nos enfants. Accorde la grâce, éternel Père. O soto ko shabala baba. O zubrende me simto lo bo saya. Apprende Christo coprage de yando zute, miantuli antaladia, ablando soplende che zecleste keden, mionta loro si prende brada zionte Christo, bradeza, 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 toi le Dieu de grâce, toi le Dieu de miséricorde, ô Saint-Esprit, mosu maladele beshanda la babende kelito loco sacarido loco zenda bebianta la ba, bioreteze, coro brosinda la masoto robo shatara babereketando lobo. Au nom puissant de Jésus, toi qui fais grâce à ton serviteur, fais grâce à ta servante, fais grâce à ma vie. Oh, sekarabo shataraba, la grâce éternelle, incline le cœur là où se trouve la grâce, incline les pensées là où se trouve la grâce, incline, Seigneur, les désirs là où se trouve la grâce. Au nom puissant de Jésus, mon santo robo sandalabaya, o lo pro si prende che prades indicato robo sekende, ye que lebre, que lebre, que lebre, que lebre. Au nom puissant de Jésus-Christ, au nom glorieux de Jésus-Christ, au nom majestueux de Jésus-Christ,
Alléluia. Gloire à l'agneau de Dieu ce matin. Nous bénissons ton nom, Seigneur. Toi qui es le Dieu de la miséricorde. Toi qui es le Dieu de grâce. Toi qui multiplies ta grâce. Toi qui accordes, Seigneur, à nos cœurs, éternel Dieu, les désirs que tu as arrêtés. Ce matin, Seigneur, nous te disons merci. Alléluia. 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 Machala bababo sakara babirika dozubre andelebe. Amen, 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 amen. Gloire à l'agneau de Dieu bien-aimé. Nous bénissons le Seigneur ce matin. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia. 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 Béni soit le nom du Seigneur. Car il est glorieux, il est digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain, car il est glorieux, il est digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Il est souverain, l'agneau est souverain. Jésus est souverain, l'agneau est souverain. Il est digne, digne. Il est digne, il est digne, 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 il est digne d'être adoré, il est glorieux, glorieux. Glorieux pour l'éternité, Jésus est glorieux. Il est digne, il est digne, digne, digne. Il est digne d'être adoré. Pour l'éternité, il est digne d'être adoré sur toute la terre. Il est glorieux, glorieux, glorieux. Il est glorieux, Jésus. Jésus est glorieux. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Ce matin, le Seigneur nous accorde trois choses. Il y a trois choses que le Seigneur nous accorde ce matin. Alléluia. Pendant que nous étions en train de prier, j'ai vu trois personnes. Trois personnes et chaque personne portait et transportait quelque chose. Alléluia. Et parmi ces trois personnes, se trouvait une personne qui avait la grâce. Et ce qu'il avait entre ses mains ressemblait comme à une
un genre de genre comme une, c'était comme une boule avec une couleur beige. C'était une boule resplendissante avec comme une couleur beige. Et c'était entre ses mains. Et le Seigneur disait que celui-là, c'est celui qui transporte la grâce. Maintenant, les deux autres qui étaient à côté de lui, je n'ai pas reçu l'information de ce qu'ils avaient. Alléluia. Trois choses que Dieu donne ce matin. Trois choses. Parmi ces choses, il y a la grâce dedans. Ce que j'ai pu voir, c'est la grâce. Il y a deux autres choses qui sont secrètes, qui sont réservées seulement à la connaissance de Dieu par rapport à chaque personne qui est connectée ce matin. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse et que sa grâce vous accompagne durant toute cette journée. Je vous souhaite un excellent dimanche. Sous la grâce puissante de Dieu, rien ne t'arrivera parce que tu es sous la grâce du Seigneur. La grâce du Seigneur est une force qui neutralise et qui combat tout ce que l'ennemi peut déclencher. Ce matin, tu vas dans la grâce. Tu vas vivre la grâce et tu vas expérimenter deux choses encore qui sont des surprises de la part du Seigneur parce qu'il n'a pas voulu révéler cela. Moi, je te salue et je te souhaite un excellent dimanche et une excellente fin de semaine. Que demain, lorsque nous allons parler ensemble encore, que tu me donnes le témoignage de ce que Dieu aura fait pour toi par rapport à ces trois choses qu'il a montrées à ces trois personnes dont l'une a transporté la grâce qu'il est venu nous transmettre ce matin. Que Dieu te bénisse et que sa grâce nous accompagne. Je te salue au nom précieux et puissant de Jésus. Shalom.